Bonjour tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo sur le batch. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir une commande externe très très importante qui est le batbox.exe. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une commande externe? Alors, une commande externe, c'est une liste de commandes qui n'est pas de base dans le batch. Donc en gros, c'est des commandes que des gens ont créées et que vous avez besoin d'un petit ici un petit fichier exécutable pour les ajouter dans vos batchs. Vous voyez que ici, par exemple, ici dans mon Spritebox, vous avez une commande, ici c'est batbox, là j'ai machin. Si vous mettez ça et que vous n'avez pas votre petit batbox exécutable ici, ça ne va pas marcher. Je pourrais vous le montrer, mais je vais pas le faire. Bon alors, à quoi ça sert batbox? Eh bien, ça sert à faire des petits jeux. Ou ici, c'est un petit test que j'ai fait. Vous voyez, donc on doit essayer de ramasser les cœurs. Bon, c'est tout simple, hein. Les XC des mines, c'est moi sur une mine. Enfin, attendez, déjà, hop. Une fois qu'on a 5 cœurs, hop, ça régénère un terrain aléatoire. Et si jamais on va sur une mine, boum, hop, on va recommencer. Oui, non, on va faire non. Donc voilà. Donc, Batbox, ça sert à quoi? Moi, personnellement, j'utilise pour créer des sprites. Alors, un sprite, c'est quoi? Si je vous montrais par un exemple. Un sprite, c'est tout ce qui peut bouger sur l'écran. Donc, ici, notre personnage, c'est un sprite. Le cœur, c'est un sprite. Et les mines, ce sont des sprites. Là, ici, c'est aussi un sprite, et là aussi. En gros, tout ce qui est en couleurs différentes, c'est comme ça qu'on peut les voir, sont les sprites. Enfin, pas forcément, mais moi ici, oui. Donc, tout ce qui peut bouger. Donc, vous voyez qu'ici, une fois qu'on a les 5 cœurs, hop, les mines bougent, le cœur bouge, tout bouge. Et tout ça sans refaire un terrain à chaque fois. C'est bien aléatoire. Alors, comment on fait ça? Bah, je vais vous montrer tout de suite. Alors, tout d'abord, vu qu'ici j'ai déjà créé mon petit tutorial box partie 1, ça on peut l'enlever, je vais vous montrer pourquoi. Alors, vous voyez qu'ici on a badbox.exe, il n'est pas de base d'ordinateur évidemment. Il faudra soit le télécharger, soit utiliser une petite ligne de commande, c'est pas moi qui l'ai créé évidemment, enfin évidemment oui, non, c'est pas moi qui l'ai créé, qui est en fait pour créer Batbox. Donc si dans tous les jeux que vous faites avec Batbox, si vous comptez les publier, les envoyer à des amis ou quoi, je vous conseille de mettre ça. À la fin de votre programme, vous allez écrire ça. Alors c'est un peu long, je vais pas vous le dicter, je le mettrai soit dans les commentaires, soit un lien vers le site du développeur de Batbox où vous pouvez le copier-coller. Donc MakeBB, et puis vous avez un code en hexadécimal, en fait, qui va donner les instructions à votre batch pour créer Batbox. Et une fois que c'est fini, ben Batbox sera là. Donc, si vous voyez que ça, on écrit dans Batbox.exe, comme j'avais appris la fois passée avec la flèche, là il écrit tout ça dans Batbox.exe, enfin dans t.data, et puis il réécrit d.data dans Batbox.exe. Enfin, je comprends pas du tout. C'est vraiment un truc, il faut juste le copier-coller et le mettre à la fin de votre programme. Et pour détecter si vous avez Batbox sur votre PC ou pas, on va faire comme une commande qu'on avait fait dans le dernier épisode, if not exist Batbox.exe. Alors ici on va pas mettre un goto, on va mettre un call. Alors le if not exist, on l'a déjà vu dans le dernier épisode. Donc si il n'y a pas badbox.exe, call makebb. Alors le call, c'est quoi? C'est une commande qu'on n'a pas vue parce que je l'utilise pas souvent, mais ici elle est utile. En fait, ça fonctionne comme un goto quasi. Donc ici c'est comme un goto, il va au makebb. Le problème c'est qu'ici à la fin il n'y a rien. Et si on avait fait un goto, ben il serait ici à la fin et il faudrait soit remettre un goto pour retourner au début. Ce serait un peu embêtant. Alors ici le call il sert à quoi? Et bien simplement il l'appelle. Donc il appelle le MakeBB, il fait eh, viens ici. Hop, le MakeBB il arrive, il fait son truc, il crée son programme et après dès qu'il a fini, il revient là où était la commande. Donc il call, il le fait, hop, et après il revient à la ligne d'en dessous. Donc c'est assez pratique, surtout dans ce cas ici. J'utilise pas souvent parce que il y a beaucoup de choses. On l'utilise pas, je pourrais le mettre dans le Dark Quest en fait, quand on appelle les monstres, enfin bon soit. Donc voilà, ici on a notre programme. Si je fais ça, on va faire de pause nulle. Si je fais ça avec je le lance, hop, il se ferme directement et ça m'a créé badbox.exe et c'est bon. Donc vous mettez ça à sa fois, si maintenant je le relance, il va pas m'en recréer un parce qu'il existe déjà. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet et on va voir comment on utilise badbox. Alors simplement vous allez écrire badbox. Et puis la fonction que vous voulez. Alors les fonctions, je vais vous les citer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pense. Je vais toutes les vous les citer. Enfin pas toutes, il y en a qui sont à peu près inutiles. Enfin que je trouve inutiles, mais voilà. Tout simplement, on va commencer par le slash d, qui est quoi? Donc slash display. Alors à chaque fois,
quand ce que je dis, vous pouvez soit écrire le raccourci qui est slash d ou alors slash disp qui veut dire slash display. Mais moi j'aime tout le temps raccourci parce que ça va 10 fois plus vite. Et si vous faites à chaque fois plein de black box, c'est qu'à chaque fois vous écrivez ça display slash key slash variable, à chaque fois ça va aller assez long. Donc après le slash d, vous mettez une guillemets et puis le texte que vous voulez afficher. Donc ça fonctionne comme en commande echo en fait. Sur YouTube, hop, ouais, qu'est-ce que ça va faire? On va mettre en pause nulle quand même. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va afficher. Salut YouTube. Ça fait exactement la même chose qu'une commande echo. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi alors utiliser une commande aussi longue alors qu'on pourrait juste mettre echo sur YouTube? Je vais vous montrer tout de suite avec les autres fonctions qu'on peut faire avec Badbox. Je vais vous les citer. Alors, on a le HD qui sert à afficher du texte tout simplement. On a quoi d'autre? On a le Badbox slash G. Le slash G, vous mettez ça avant le texte et en fait ça va aller aux positions que vous voulez. Donc hop. Ici, faut pas de guillemets. Attends, je fais n'importe quoi. Hop, Windows revient à moi. Voilà. Il faut pas de guillemets. Hop. Alors ici, donc ça fait c'est un slash goto en fait. Et ça va afficher le texte là où vous voulez. Donc si ici je fais slash g xy absent les guillemets comme j'ai dit. Et puis slash g yolo. Alors ici on va mettre par exemple, je sais pas moi, 15. Alors ça c'est colonne et ligne. Hein. Donc 15 bas 5 par exemple. Et qu'on lance le programme, normalement, voilà, ça va écrire en plein milieu. Donc c'est la colonne. Enfin oui, colonne 15, ligne 5. Donc le slash g très utile. Au lieu de mettre à chaque fois echo point, echo point, echo point, echo point, echo point, puis après plein d'espace à votre texte, vous pouvez juste mettre ça. Vous pouvez mettre autant que vous voulez. Et ça servira aussi à faire des sprites, comme je vous l'expliquerai plus tard. Alors, on a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Le slash c aussi, qui est assez utile, je vais pas le faire dans l'ordre forcément, mais. Slash qui fait quoi? Ben c'est le slash color qui sert à colorer en fait votre texte. Alors pourquoi tout simplement pas mettre un color au-dessus? Parce que si maintenant je mets color F0 et que j'ai envie de mettre juste, je sais pas moi, ça va être en couleur normale et le yellow il va être en, je sais pas moi, en rouge. Je crois que c'est FC, je sais pas. Et ben ça, ouais, voilà, ça va juste mettre tout en rouge. Pourquoi? Parce que la commande color ne se met que sur. Enfin, ça se met sur toute la fenêtre en fait. Il met en noir sur blanc, et après il remet en rouge sur blanc, mais pour toute la fenêtre. Ça ne met pas juste pour ce qui est en dessous. Donc, comment on règle ça? Bah, avec un badbox slash c, qu'on va intégrer à l'autre en fait. Alors, le slash c, vous le mettez avant votre. Enfin, avant là où vous voulez qu'il y ait de la couleur, hein, donc ici, avant le slash d. Puis 0x. Alors pourquoi 0x? Je ne sais pas, c'est un code couleur en fait. Et puis le code couleur que vous voulez, qui va mettre FC pour que ce soit rouge. Donc 0x qui est ben pour définir que c'est la code couleur en fait. Et puis FC, le code couleur le même qu'ici. Donc juste retenir, il faut mettre un 0x à chaque fois devant. Puis après à côté, on peut remettre un slash C. 0x, enfin F0 plutôt. Pourquoi? Parce qu'après, si maintenant je remets un bytebox slash D. Q par exemple, et eh bien si j'avais pas mis ça, que ça aurait fait, ben ça aurait mis la couleur en rouge avec du rouge sur blanc et ça aurait continué à mettre du rouge sur blanc. Et nous on veut qu'il y ait juste ce texte là qui soit en rouge sur blanc, donc on laisse le 0xf0, hop, et vous voyez qu'on a juste ça qui se met en rouge sur blanc. Alors pourquoi ici ça se met à la même ligne alors que celui-là est la ligne d'après? Et bien simplement, comme je l'ai dit, le badbox ça fonctionne à peu près comme une commande echo, mais il faut mettre les coordonnées ici. Si vous mettez pas de coordonnées et qu'à chaque fois vous écrivez, alors, par exemple comme ça, or j'ai oublié le slash d, vous n'êtes pas obligé de mettre des guillemets, mais si vous mettez pas de guillemets en fait, ça va pas prendre une chaîne de caractères. Si vous mettez lol. Lol, je sais pas moi, bah, voilà, je sais pas pourquoi. Eh bien normalement ça devrait juste afficher lol. Ou pas. Pourquoi? Normalement, si on met pas. Ah non, mais j'ai mis des guillemets ici aussi, bah. Donc je disais, si on met pas de guillemets, ça va juste afficher le premier caractère, parce que ça ne prend pas en compte les espaces. Donc si vous voulez mettre une chaîne de caractères, on met ça. Donc, je disais,
Pourquoi ça met tout en ligne? Eh bien, parce que on n'a pas mis des coordonnées. Et si on veut que ça s'écrive en dessous, hop, slash g 15 6. Voilà, normalement ça s'affiche juste en dessous. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Si c'est juste pour afficher du texte, je vous conseille de mettre une commande écho, sauf si c'est pour mettre en plein milieu de la fenêtre, il faut mettre plein de écho points avant. Mais si, par exemple, ici, vous voyez, il faut mettre de la couleur ou quoi, eh bien c'est très 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 utile. Et aussi pour les sprites, qui est pour moi la fonction principale du Batbox, qu'on va voir tout de suite. Alors, on va enlever ça. On a le slash G, le slash C. Qu'est-ce qu'on veut encore? Le slash D aussi. On a quoi? On a le slash A. Qui simplement, vous avez. Vous mettez un colon entre 1 et 31, je crois que c'était. Si par 15. Et en fait, ça va afficher un petit. Voilà. Ici, ça affiche un petit soleil. Ça affiche en fait un caractère spécial. Un petit smiley. Il y a des petits cœurs, des petits. Ouh, oui, pardon, ça affiche un petit truc en ASCII. Bon, ici, il n'y a rien. Non, pas 45, parce que celui-là 31, donc 24 par exemple. Bon, voilà. Ça peut être utile si vous connaissez évidemment les codes. C'est une flèche vers le haut. Si vous connaissez les codes, faire des petits ASCII. Alors, on a le slash A, on va mettre pas 1 par exemple, qui est un petit smiley normalement. Voilà, un petit smiley, tout mignon. Alors, comme je disais, hein, après, voilà, si on fait ça, les deux smileys seront pas en couleur et le en couleur. Donc voilà, c'est ça que ça sert à mettre de la couleur. On a aussi le slash K. Alors slash K, qu'est-ce que ça fait? Ça sert à récupérer une touche. Donc c'est comme une commande choice. Sauf que, bah, par exemple, voilà, si je mets un choice, et que je veux faire avec les touches directionnelles, par exemple pour un jeu, comme le jeu que j'avais fait, que vous avez montré tout à l'heure ici, tout de suite. C'est avec les flèches directionnelles en fait qu'on bouge le personnage. Avec les flèches qu'il y a côté du pavé numérique là. Flèches directionnelles. Alors qu'avec une commande choice, eh bien on ne peut pas. Parce que si vous appuyez sur les flèches pour les mettre, bah voilà, ça fait ça, vous pouvez pas. Alors comment on fait? Eh bien avec une Batbox HK, que ce soit ça ou un espace, hein, même si vous mettez un espace, ou que la personne appuie sur tab ou sur shift, n'importe quoi qui n'est pas en caractère en fait. Vous mettez slash K, et puis. Ça fonctionne exactement comme avec une commande choice, sauf que là on va pas mettre 1, 2, 3. Excusez-moi, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien, ici, on a un petit error level par byte, alors dedans il n'y a rien, hein, c'est juste. C'est juste, en fait. On met une Batbox slash K et puis après on écho le error level. Error level c'est quoi? C'est le code de la touche. Vu que chaque touche sur votre clavier, que vous ne le saviez pas, chaque touche, que ce soit espace Z, delete ou 4 ou je ne sais pas quoi, chaque touche a un numéro bien précis de 1 à 255, je crois. Ou de 1 à 355, enfin, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas de 1, hein. Ça commence à. C'est un peu aléatoire en fait, hein. Donc, écho level, qu'est-ce que ça fait? Et après, on va au début. Ça va afficher la touche. Enfin, l'error level touche. Si par exemple, je veux que quand j'appuie sur. Je sais pas moi. Enter. Non, pas Enter. Quand j'appuie sur. Sur, je sais pas moi. Tab. Tab, c'est 9. Voilà. On veut que quand j'appuie. Quand la personne appuie sur Tab, ça fasse quelque chose. Et quand elle appuie sur. Je sais pas moi. On va prendre bah, contrôle. Contrôle, non. Ok, bah, contrôle n'a pas l'error level. Que quand il appuie sur tab ou A. Voilà. Et A c'est 97, 97. Donc 9 et 97. Donc ici, error level égale à 9, qui est tab. Contrôle.tab. Et if error level égale à 97, contrôle.a. Tout simplement, voilà. Si après je mets go. Ici 2.a, on va mettre un petit écho. Appuyer, appuyer, puis. On va mettre appuyer, je sais pas du tout. Sur A, et après 2.tab, écho, vous avez. Tab. Voilà, alors ici on va mettre un petit.
Voilà, ici on va remettre un petit 2.D, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, tout simplement, on a mis le 2.A et le 2.Tab. Quand on appuie sur A, ça va aller là, ça va écrire, vous avez appuyé sur A, et si, vous avez, si on appuie sur Tab, ça va écrire, vous avez appuyé sur Tab. Donc on va essayer, non, c'est pas ça, c'est ça. On va écrire, si j'appuie sur A, vous avez appuyé sur A, j'appuie sur Tab, vous avez appuyé sur Tab. Vous voyez, ça réécrit par-dessus, alors oui, ça bug, pourquoi? Parce que ça réécrit par-dessus en fait. Si on veut que ça soit bien, c'est un petit CLS. Voilà. Donc, A, vous avez appuyé sur A, Tab, vous avez appuyé sur Tab, A, vous avez appuyé sur A. Voilà. Et si après, si j'appuie sur une autre touche, ça ne fait rien en fait. Enfin, si ça. Enfin, non, ça appuie, oui, non, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que ici, on n'a pas défini les autres touches. Et en fait, un des problèmes, on peut appeler ça un problème, c'est que si on appuie sur aucune touche, eh bien, il va continuer après. Si, il va se dire, ok, il a pas appuyé ni sur 9, ni sur 97, on continue, et va au 2.A. Et en fait, ici, vous voyez que si je le prends et que j'appuie sur C, ça écrit, vous avez appuyé sur A. Pourquoi? Parce que ici, il continue, il va au 2.A, vous avez appuyé sur A, il retourne au 2.D. Et en fait, il fait ça. Si vous voulez juste tout simplement changer ça. Voilà, vous mettez le point D, comme ça si jamais il appuie sur aucune des touches, bah, il revient au début. Ça va être un petit CLS. Il revient au 2.D en fait. En fait, on va pas mettre de CLS parce que du coup ça affiche pas. Ça affiche pas ici. Voilà. Du coup ça va afficher plein de fois. Voilà. Vous avez appuyé sur A, ça appuie sur rien. Bah, ça affiche ça. Vous appuyez sur n'importe quelle touche, ça reste ce qu'il y avait avant. Si j'appuie sur A, ça appuie sur A, tab, voilà. Bon, vous avez compris le principe. Donc ça, c'était le slash K. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le slash W, qui tout simplement slash wait, donc il fait attendre un temps en millisecondes. Si moi je mets 1000, ça va faire attendre une seconde à l'utilisateur avant qu'il puisse faire. En fait, ça fait comme un timeout ou un ping localhost. Sauf que ça compte en secondes, pas en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Donc ça, si vous mettez 1000, ce sera vraiment une seconde. Et au moins, ça c'est précis. Vous pouvez mettre vraiment 258 millisecondes. Vous pouvez vraiment mettre précis en fonction de ce que vous voulez. Donc il va mettre ici, on va mettre 5000, qui va faire 5 secondes. On fait ça, je le prends, j'appuie sur n'importe quelle touche. Ça. What? Attendez. Oui, bon, alors attendez, parce que ici, du coup, oui. On va enlever ça. Parce que vous avez compris le principe du. Vous avez compris le principe du slash K. Si maintenant je mets. Voilà, comme ça, il va attendre 5 secondes. 1, 3, 4, 5. Bon, évidemment, attendez, parce que. Est-ce que. Oui, ok, on va enlever le slash K. Bon, attendez, petit fail. Donc, je disais, s'il va attendre 5 secondes. Un petit fail. Donc, ici, il va attendre 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il va nous afficher ce qu'il y a après. Donc, en fait, c'est comme si en dessous, vous avez mis un timeout, en fait. Donc, ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc voilà le slash W, qu'est-ce qu'on a encore? On a le slash F. Donc si on met un slash F, normalement, qu'est-ce que ça va faire? Si on attend 5 secondes. Ou pas. Normalement. Attendez. Hein. Oui, d'accord. Faut mettre slash F 1 par exemple. Normalement, là, ça devrait marcher. 2, 3, 4, 5. Non, attendez, petite pause. Ok, bon, bah, j'ai rien dit. Je sais pas du tout comment on utilise. En fait, normalement, c'est censé mettre en plein écran. Mais bah, ça marche pas. Normalement, ça marche. Là, tout à l'heure, ça avait marché quand j'avais fait mon test. Bon, alors, donc ça c'est bon. Il y a aussi le slash M. On verra ça dans un autre épisode parce que je ne le maîtrise pas encore très bien. En fait, le slash M attend que la personne appuie, en fait, clique à un endroit. Donc, si maintenant, un slash M. Après, il faut définir en dessous avec une boucle for plein de trucs qui sont embêtants à faire. Et en fait, ça définit. Donc, au lieu de faire avec des chiffres, comme on disait, avec. Donc pour les menus avec un choice et des chiffres, on peut en fait tout simplement cliquer sur le titre. Excusez-moi, et ça a marché. Donc là, bah, on a vu les bases, c'est toutes les commandes. Donc je vais faire un petit résumé.
Le slash G qui en fait affiche le texte à un endroit précis. Donc ici slash G, X, Y. Non, pas YOLO. On a le slash D qui est slash display. Donc slash D et puis le texte entre guillemets. On a le bad box slash C. Oui, c'est prêt, votre code couleur. Hop. Sans guillemets, hein, mais bon, voilà. Code couleur. Puis on a le batbox slash A. Puis caractère de 1 à 31, je pense. Puis on a le batbox slash W qui sert à attendre tant millisecondes. Puis on a quoi? Je crois que ah oui, le slash K. Et ça, il faut remettre après. Donc, petit résumé, blackbox slash G qui simplement définit où est-ce qu'on va écrire le texte. XY qui est colonne et puis ligne. Puis on a le texte. En fait, ça devrait être Y. Puis X. Voilà. On a le texte qui simplement affiche le texte entre guillemets. Il faut mettre des guillemets. Sinon, ça prend que le premier caractère. Enfin, le premier mot. Le slash C, OX, enfin 0X, et puis votre code couleur. Code couleur le même que celui-là, je rappelle, comme on avait vu avec les aspects visuels. Donc 0X, et puis votre code couleur. Le slash A, 31, donc c'est le slash ASCII qui va mettre un petit truc marrant, comme ici un smiley. Hop, vous voyez ici, il y a des petits smileys. On a quoi? On a le slash W, vous mettez le temps en millisecondes, ça fait comme un timeout ou un ping localhost, et un slash K, le slash K qui attend qu'on appuie sur une touche avec. If error level égal à. Code ASCII de la touche. Donc, voilà. Donc, les deux ici sont ensemble, comme. Voilà. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on a vu pour l'instant avec la bad box. Je vais vite fait faire un petite partie. On va voir comment faire un sprite. Je rappelle, un sprite, qu'est-ce que c'est? Hop. Un sprite, eh bien, c'est quelque chose qui bouge. Une chose qui bouge, comme ici un sprite. Notre sprite, c'est notre petit bonhomme. Les mines sont des sprites, les cœurs sont des sprites, parce qu'ils bougent à chaque fois, ils changent d'emplacement. Ce n'est pas des choses fixes. Enfin, si là, elles ne bougent pas, mais après, elles changent d'emplacement, c'est-à-dire qu'elles ont, on va dire, une IA, vu qu'elles changent aléatoirement par eux-mêmes. Par elles-mêmes. Donc, et puis quand on va dessus, on meurt. En fait, c'est oui, c'est aussi tout ce qu'on peut avoir une interaction avec. Hein. Donc ici, on peut avoir une interaction avec le cœur, avec le bonhomme, avec les mines. Donc voilà. Donc, bon, on va se retrouver tout de suite pour la deuxième partie de ce tuto où je vais vous montrer comment créer un sprite, c'est vraiment pas très compliqué. Et peut-être autre chose, on verra plus tard. Donc on se retrouve pour la deuxième partie tout de suite.